Avis à tous les amateurs de boxe, vous avez rendez-vous le 1er et 2 février à la Halle Jean Cochet pour assister à un gala de boxe exceptionnel organisé par la boxe Chartrain. Je suis avec le président, Jean-Louis Arras, bonjour. Ouais, bonjour. Alors, donc, je le disais, un événement exceptionnel le 1er et 2 février prochain. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement? Oui, effectivement, là, c'est une organisation de boxe exceptionnelle, comme tu l'as dit, parce que c'est une première en région centre où on va recevoir sur le week-end de 150 boxeurs, hommes et femmes, parce que c'est les huitièmes de finale et quart de finale du championnat de France. Donc c'est une grosse organisation. Et donc le public Chartrain aura le plaisir de voir de la boxe non-stop, parce que c'est différent par rapport aux autres galas qu'on fait habituellement. C'est en nocturne, le samedi soir. Là, il y aura plusieurs sessions qui commenceront dès le samedi matin, samedi après-midi, samedi soir, jusqu'au dimanche soir. Avec des têtes d'affiche? Alors bien sûr, tête d'affiche, parce qu'il y a l'équipe de France, dont certains qui ont participé aux Jeux Olympiques à Londres l'année dernière, enfin en 2012, qui rentrent en quart de finale. Donc tous les champions de France ou ceux qui font partie de l'équipe de France rentrent en quart de finale pour le dimanche. Donc du lourd, parce qu'il y aura toutes les catégories et du très 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 bon niveau, quoi. Donc on rappelle la date, ça démarre le samedi 1er février, le premier combat, à quelle heure? Alors les sessions, la première session, donc on a les horaires depuis avant-hier, c'est tout neuf. On a même le nombre de combats pour l'instant qui sont prévus. 64 combats pour le samedi sur deux rings. Donc ça fait 8 heures de combats non-stop sur deux rings pour le samedi. Et 62, juste deux combats de moins pour le dimanche, pour les quarts de finale, avec l'entrée donc en liste de l'équipe de France. Donc aussi 8 heures de combats non-stop sur deux rings le dimanche. Donc le premier combat, pour répondre à ta question, ça sera la session, elle commencera à 10h du matin, 10h30 du matin. Et enfin, on aura une attention particulière pour le champion local qui est... Alors le champion local, lui, on a sur tous les boxeurs qui étaient engagés, on en a un qui sera à Chartres, on est Farid El Farsi, en moins de 91 kilos. Un jeune boxeur, prometteur, et on est bien content qu'il soit, c'était pas une évidence même, mais bon, il sera sur le plateau le samedi soir, lui, donc en huitième de finale, dans la dernière session nocturne. Donc, notez dans vos agendas, le samedi et dimanche 1er 2 février à la Halle Jean Cochet. Merci de nous avoir suivis, à bientôt sur le 28 TV.